Ici Charles Tissère. Bienvenue à Découverte. Cette semaine, un super volcan fait éruption au Moyen Âge, entraînant le refroidissement de l'atmosphère de la Terre, causant des famines et tuant de nombreux habitants. Nous suivons les scientifiques qui tentent de découvrir où se cache le monstre qui a causé cette catastrophe. Au Moyen Âge, une immense éruption volcanique a projeté dans l'atmosphère des quantités stupéfiantes de poussière et de gaz. Cette déflagration a créé un voile au-dessus de la planète qui a masqué les rayons du soleil, anéantissant des cultures et faisant de nombreux morts à travers le monde. Pendant plus de 30 ans, les scientifiques ont cherché le mystérieux volcan à l'origine de cet événement. Voici l'histoire de cette enquête fascinante. Tout a commencé au Groenland, lorsque des scientifiques, à la fin des années 70, ont foré la glace pour y étudier le climat passé de la Terre. Les glaciologues projettent d'analyser les traces des gaz et des particules de l'atmosphère piégées année après année durant des millénaires dans les couches de glace. En forant la glace, les chercheurs remontent dans l'histoire du climat. Très vite, d'étonnants dépôts de sulfate attirent leur attention. Lorsque les scientifiques ont commencé à analyser la composition chimique de la glace, ils ont remarqué la présence de pics de sulfate importants, correspondant aux grandes éruptions volcaniques, comme l'éruption du Vésuve, celle de la Gung, du Tambora ou du Laki. L'hypothèse que les pics de sulfate proviennent des éruptions volcaniques semble donc acquise pour les scientifiques. Les grandes éruptions volcaniques éjectent tellement de cendres et de soufre dans l'atmosphère que cela atteint parfois les pôles. C'est comme ça qu'on retrouve des traces d'éruptions passées dans les carottes glaciaires. Parmi tous les pics de sulfate découverts, l'un d'eux est d'une intensité exceptionnelle. Il traduit ce qui pourrait être l'éruption la plus colossale depuis 10 000 ans. L'un des pics les plus impressionnants sur ces derniers milliers d'années a été daté à l'année 1259. La seule explication à son sujet serait qu'il y ait eu une éruption gigantesque. Mais on n'a aucune trace d'un tel événement sur cette période précise. Où aurait-elle pu avoir lieu? Comme ces traces ont été trouvées au Groenland, les glaciologues soupçonnent que l'éruption a eu lieu dans l'hémisphère nord. Mais quelques années plus tard, au début des années 80, à l'autre extrémité de la planète, en Antarctique, d'autres forages sont réalisés pour étudier le climat. Cette fois encore, les scientifiques font une découverte étonnante. Les glaciologues Joël Savarino et Jean-Robert Petit, travaillant sur la reconstruction du climat, reproduisent aujourd'hui la manipulation opérée par leurs homologues dans les années 80. Ce morceau contient les particules présentes dans l'atmosphère il y a 800 ans, au 13e siècle, retombées et piégées dans la glace. Ce pic représente un pic de sulfate volcanique. On voit son importance, hein, qui se dégage bien du bruit de fond. Compte tenu de la datation de la carotte, de sa profondeur et de l'importance du pic, on est sûr d'avoir identifié le pic du 1259. Le mystère s'épaissit. Le même pic de sulfate, daté à l'année 1259, se trouve à la fois dans les glaces du pôle Nord et celles du pôle Sud. Une telle symétrie est exceptionnelle. S'agit-il des traces d'une même éruption ou bien celles de plusieurs, survenues simultanément sur les deux hémisphères de la planète? Ce mystérieux dépôt datant de la moitié du 13e siècle est impressionnant pour son taux de soufre. Malheureusement, le soufre ne nous dit pas quel volcan l'a produit. Le soufre est du soufre. Heureusement, on a découvert autre chose dans ce dépôt qui pourrait nous mettre sur la piste du volcan. De très fines particules de cendres. C'est un indice essentiel, car la cendre porte en elle l'empreinte digitale unique du magma, de la roche en fusion, du volcan qui l'a produite. Pour déterminer s'il s'agit d'une seule ou de plusieurs éruptions, les scientifiques comparent les minuscules cendres volcaniques piégées aux deux pôles avec les pics de sulfate. Leur forme et leur composition géochimique s'avèrent identiques.
Les cendres proviennent donc de la même éruption. Une éruption gigantesque pour avoir généré le prodigieux pic de sulfate de 1259. Cette révélation permet aux scientifiques de mettre en lumière un nouvel indice. Le fait qu'on trouve le même pic sur les deux pôles suggère que l'éruption a dû se produire dans les tropiques. Une éruption située à une très haute latitude ne pourrait pas projeter ses cendres dans l'hémisphère opposé, que ce soit au nord comme au sud. C'est donc un très bon indice, même si ça reste un sacré défi d'identifier le volcan. Il y en a tellement. Si localiser le mystérieux volcan est un défi, les chercheurs ont une piste, celle des traces. Une telle éruption a dû en laisser ailleurs que sur les deux pôles. Mais où? Au nord du Québec, des épicéas morts depuis des milliers d'années gisent au fond des lacs. Tout comme les glaces polaires, ces arbres sont la mémoire du climat passé. Enfouis sous les sédiments, ils ont été préservés de toute décomposition. Grâce au carbone 14, les chercheurs ont isolé des spécimens ayant poussé au 13e siècle. L'étude de la forme et de la taille de leurs cernes pourrait révéler les conditions climatiques que ces arbres ont dû affronter. Dans cet échantillon, on peut voir une fissure correspondant à un cerne mince qui s'est formé durant un été court. On a échantillonné plus de 2000 arbres dans 6 lacs. Quand on analyse toutes les données, on remarque des changements brutaux dans la pousse des arbres. Le plus significatif a eu lieu en 1258. Ça n'a pas touché que l'Amérique du Nord. D'autres échantillons ont révélé qu'en Mongolie, il y a aussi eu une année très froide, par exemple. Le phénomène a probablement été mondial. Les arbres ont révélé leur secret. Un brusque refroidissement planétaire est survenu en 1258. Serait-il lié à l'éruption mystérieuse? À Paris, au laboratoire d'océanographie et du climat, la chercheuse climatologue Myriam Caudry tâche d'y répondre. Elle et ses collègues ont étudié les impacts de l'éruption explosive la plus importante du 20e siècle, celle du mont Pinatubo, en 1991, aux Philippines. Leur modélisation permet de comprendre comment une éruption stratosphérique peut affecter tout le climat planétaire. On sait que les éruptions stratosphériques, c'est-à-dire qu'il y a une colonne éruptive qui va très haut dans l'atmosphère, ont un impact sur le climat parce qu'elles dégazent du soufre. Ce gaz soufré va être injecté très haut dans l'atmosphère par la puissance de l'éruption. Et le soufre, une fois qu'il atteint 20 km, il va subir tout un tas de réactions chimiques, notamment avec la vapeur d'eau. Dans la stratosphère, les molécules de dioxyde de soufre vont se mélanger à celles de l'eau pour former un immense voile de milliards de microgouttelettes d'acide sulfurique, les aérosols. Ça va avoir pour conséquence de réfléchir, comme un miroir, ces rayonnements solaires vers l'espace. Or, le rayonnement solaire, c'est ce qui fait notre climat, c'est ce qui nous chauffe. Eh bien, très vite, on va avoir un impact climatique. Ce gigantesque effet miroir va diminuer l'ensoleillement et ainsi refroidir la température moyenne sur Terre. Mais ce n'est pas tout. Là-haut, dans la stratosphère, les aérosols, absorbant les rayons infrarouges émis par le Soleil et par la Terre, vont réchauffer la stratosphère et déséquilibrer la trajectoire de tous les grands courants aériens, provoquant sur Terre un véritable chaos météorologique. La modélisation de l'éruption du Pinatubo permet à Myriam de dévoiler un indice inattendu, la datation de la mystérieuse éruption. Le fait que le cycle de vie du voile d'aérosol est de 3 ans pour Pinatubo, on le sait parce qu'on l'a observé, nous a permis de remonter finalement dans le temps et dater le début de l'éruption mystère en 1257. Se basant sur l'année 1257 et sur les caractéristiques de l'énorme pic de sulfate, Myriam a modélisé les effets climatiques de la mystérieuse éruption. Très vite, on voit l'impact sur le climat et en particulier, on a eu un refroidissement majeur d'abord dans les tropiques, là où le voile d'aérosol s'est formé. Et ensuite, cette anomalie de température froide se propage, on peut voir à l'échelle de la planète. Et notamment, l'année d'après, l'été 1258, on a constaté que nos modèles simulaient un été froid, jusqu'à moins 20 degrés Celsius en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest et en Angleterre, à nos latitudes. Un refroidissement planétaire de 1 degré Celsius en seulement quelques mois peut avoir des conséquences dramatiques.
Les chercheurs pensent qu'il a causé des effets dévastateurs sur les sociétés médiévales de l'époque. Seulement, où trouver des indices? Après la pause, une découverte extraordinaire fait rebondir l'enquête. C'est en plein cœur de la City, à Londres, qu'une découverte extraordinaire fait rebondir l'enquête. En 1999, le chantier de rénovation du quartier de Spitalfields Market met au jour un immense cimetière composé de centaines de fosses communes. Les archéologues déterrent plus de 10 000 squelettes datant du Moyen Âge, ce qui est un nombre exceptionnel. L'ostéologue Don Walker a participé activement aux fouilles. Le cimetière de Mary Spittle est unique. Une sorte de désastre a tué un grand nombre de personnes en très peu de temps. Dans certains endroits, on a trouvé 20, jusqu'à même 40 à 45 personnes enterrées dans une même fosse. Ça nous a vraiment intrigués. On a cherché à savoir ce qui s'était passé ici. Les chercheurs examinent plusieurs pistes, en premier lieu celle de la terrible peste noire de 1348. On a envisagé cette option. On a fait des datations au carbone 14 pour dater le cimetière. Et on a découvert que presque tous les squelettes étaient déjà là 100 ans plus tôt, au milieu du XIIIe siècle. Mais alors, qu'est-ce qui a pu anéantir toutes ces personnes ? Le seul véritable indice qu'on ait trouvé dans les fosses communes, ce sont des lésions sur les dents. Cela indique que ceux qui sont morts étaient les plus faibles, car ils avaient souffert de malnutrition. En vieillissant, ils étaient devenus plus vulnérables aux maladies et à la famine. Leur système immunitaire était défaillant. Ils ont alors été les proies de maladies infectieuses, comme la grippe ou la rougeole, qui se sont répandues très vite parmi la population. Une terrible famine aurait donc frappé Londres au milieu du XIIIe siècle. A-t-elle pour autant un lien avec l'éruption mystérieuse? L'écrit étant très développé au Moyen Âge, c'est à la British Library que Don Walker va chercher des réponses, dans un manuscrit particulier datant de la moitié du XIIIe siècle, la Chronica Majora. Ce manuscrit est d'une très grande valeur. Il a été écrit par Matthew Paris, un moine qui vivait à St. Albans au XIIIe siècle. Il y décrit ce qui se passait à Londres, surtout en 1257-1258. C'est primordial pour notre enquête. Matthew Paris décrit ce qui est survenu durant l'été 1258. À cause de la pénurie de blé, un grand nombre de pauvres moururent. Partout, on trouvait des cadavres gonflés et livides dans les rues boueuses. Lorsqu'on ramassait plusieurs corps, de larges trous profonds étaient creusés dans les cimetières pour les y enterrer tous ensemble. C'est exactement ce à quoi on s'attend en période de famine. Ce n'est pas le manque de nourriture qui tue les gens, mais les maladies infectieuses qui se répandent très vite. Ils ont cherché à enterrer les morts le plus vite possible pour éviter la propagation des maladies. Ils ont donc creusé de larges fosses. La population londonienne a durement été frappée par les effets de l'éruption. La famine de 1258 est l'une des pires jamais enregistrées en Angleterre. Matthew Paris témoigne de 15 000 morts. Si Londres n'a pas été épargnée, d'autres hécatombes se seraient-elles produites ailleurs dans le monde? L'historien Sébastien Guillet s'est rendu dans de nombreux monastères et bibliothèques à travers l'Europe. Là aussi, c'est grâce aux témoignages manuscrits de moines chroniqueurs du XIIIe siècle qu'il a trouvé de précieuses informations. Les sources historiques attestent de sévères crises de subsistance dans presque toute l'Europe. C'est le cas en France, en Espagne, en Allemagne, de 1258 à 1261. Parmi les textes les plus significatifs retrouvés par l'historien figure celui inscrit dans les annales de Spire, en Allemagne. Tout le texte est écrit en latin, à l'exception d'un seul mot, Munkeliar. Ce terme signifie non seulement l'année sombre, mais également l'année des brouillards. Il a été inventé par la population, une population qui a dû souffrir pendant
plus d'un an d'un manque de soleil constant, de très mauvaises conditions météorologiques, tant au niveau des températures que des précipitations. Et l'année des brouillards suggère très fortement qu'on avait la présence d'un voile d'aérosol volcanique dans la stratosphère en 1258. Cette année sombre ne sévit pas uniquement sur le continent européen. D'autres témoignages attestent qu'elle a marqué le reste du monde. À l'autre bout de la planète, à la même époque, le Japon est lui aussi affecté par une terrible crise. C'est ce que nous apprennent le moine bouddhiste Nichiren et aussi le manuscrit de l'Azuma Kagami, qui tous les deux décrivent des températures très froides pendant l'été 1258, des pluies diluviennes et une famine très importante qui va se traduire par des milliers de morts. En trouvant les traces laissées par la mystérieuse éruption, l'enquête a révélé que de l'Europe à l'Asie, l'éruption a semé un véritable chaos climatique, fauchant des dizaines de milliers de vies. Mais le mystère demeure. Quel volcan ? Toutes les preuves trouvées dans les carottes de glace, les cernes des arbres et les chroniques moyenâgeuses indiquent qu'il s'agit d'une très grande éruption explosive survenue dans la ceinture équatoriale et qui a laissé un immense cratère. Le coupable aurait donc l'apparence d'un grand cratère situé à équidistance des deux pôles dans les tropiques. Mais il se cache parmi des centaines de volcans disséminés sur des milliers de kilomètres carrés, une véritable aiguille dans une botte de foin. Et pourtant, dans les années 80, la quête du mystérieux volcan galvanise la communauté scientifique. Plusieurs volcans sont désignés comme suspects, dont le Kilauea en Équateur. Mais un autre nom s'impose, le terrible El Chichon au Mexique. Ce monstre vient de produire en 1982 une éruption très explosive et stratosphérique. Cette éruption a fortement marqué les esprits des volcanologues et des climatologues, d'autant plus que la composition chimique du Chichon avait des similitudes avec les premières analyses des fragments volcaniques trouvés dans les carottes glaciaires associées au pic de sulfate de 1259. Le problème avec l'hypothèse du Chichon, c'est que l'éruption de 1360 du Chichon, plus ou moins 100 ans, a produit 1 km cube de magma. C'est un volume très petit, beaucoup trop petit pour avoir occasionné le plus grand pic d'aérosol sulfaté des derniers millénaires. Se basant sur l'intensité du pic de sulfate en 1259, les volcanologues estiment que l'éruption mystérieuse a dû éjecter une quantité de magma d'environ 40 km cubes. C'est au moins 40 fois plus que le terrible El Chichon. Le volcan mexicain est définitivement écarté. Le suspect recherché est une bête bien plus imposante. Seulement, durant les 20 années qui suivent, la quête reste au point mort. Jusqu'à ce que deux chercheurs, Frank Lavigne et Jean-Christophe Komorowski, au début des années 2010, décident à leur tour de réouvrir l'enquête. On recherchait une éruption explosive d'une telle magnitude qu'elle avait dû certainement engendrer la formation d'un énorme cratère de plusieurs kilomètres de diamètre, des carrières de ponce, qui sont les produits classiques typiques d'une éruption explosive de grande magnitude. Croiser la taille de la caldeira avec des carrières de ponce, la présence de pierres ponces en grande quantité, rien que ce croisement-là apporte vraiment beaucoup d'informations. Et donc, ça a été vraiment le point de départ pour aller cibler certaines zones, certains volcans. En associant ces deux indices, taille du cratère et dépôt de pierre ponce, résultant d'une énorme éruption explosive, les deux chercheurs se lancent dans une première exploration via des images satellitaires. Et donc, on a naturellement focalisé sur l'Indonésie, qui est le deuxième pays au monde par sa quantité de volcans actifs, avec des volcans qui n'étaient pas connus. L'archipel indonésien comporte 129 volcans actifs, dont l'illustre Merapi et d'autres volcans célèbres pour leurs éruptions passées, le Krakatoa, le Toba et le Tambora. La particularité de cet archipel est qu'il s'est formé suite à un processus de subduction très actif. La plaque indienne, au sud, s'enfonce de 7 cm par an sous la plaque eurasienne, au nord. En profondeur, la croûte terrestre, riche en eau, fond en générant d'immenses poches de roches en fusion, constituant le magma. Ces dernières remontent alors vers la surface, dans les chambres magmatiques, alimentant les éruptions de l'arc indonésien. Le suspect recherché pourrait donc très bien se cacher au milieu d'un tel foisonnement.
Nous, on cherchait une énorme éruption, ça veut dire une caldeira de plusieurs kilomètres de diamètre. Franck et Jean-Christophe établissent une liste de volcans suspects comportant un grand cratère et des dépôts de pierres ponces. Des volcans inexplorés ou pour lesquels aucune datation ni analyse géochimique n'ont encore été réalisées. La première région qu'on a décidé d'aller voir, c'est Sumatra, parce qu'on sait qu'il y a des pierres ponces en grande quantité. On a des carrières assez impressionnantes, notamment dans la région qui s'appelle Lampung, en face de Krakatoa. Et le petit point blanc qu'on voit ici, c'est une très grande carrière de ponces qui fait à peu près 1 km de long sur 500 mètres de large. Donc avec mon collègue indonésien Indio Pratomo de la Geological Agency, on est allé sur le terrain pour échantillonner dans cette carrière. Mais très vite, on s'est rendu compte que ces ponces étaient très, très, très dures, très indurées, très agglomérées, et donc apparemment bien plus anciennes que celles qu'on recherchait du XIIIe siècle. D'autres suspects sont également écartés. Mais une île voisine de Bali retient l'attention des chercheurs, l'île de Lombok. C'est une île qui rassemble un peu tous les critères qu'on recherchait. D'abord, une très jolie caldeira et surtout très grande caldeira, qui est à peu près de la taille de celle de Tambora, 6 km de diamètre par 8. Et surtout, surtout, deuxième critère fondamental, l'île est elle aussi recouverte de ponces, mais en beaucoup plus grande quantité qu'ailleurs. Il y avait quand même un problème majeur, c'est qu'officiellement, sur la carte géologique, cette caldeira, elle était datée de plus de 10 000 ans. Mais en regardant de plus près la morphologie, qu'on voit bien ici avec des arêtes très vives, on se rend compte que c'est beaucoup plus récent. Doutant de la datation de ce volcan, Franck et Jean-Christophe décident de suivre leur intuition. Ils se rendent sur l'île de Lombok en compagnie de scientifiques indonésiens. Leur objectif est d'arpenter l'énorme volcan dominant l'île, le mont Rinjani, en quête d'indices qui leur permettraient de dater l'éruption et de quantifier le volume de ses dépôts. Est-ce que de cet immense cratère ont jailli les 40 km cubes de matériaux volcaniques estimés pour l'éruption mystérieuse ? Après la pause, des récits légendaires et historiques révélateurs. On se trouve devant un immense cratère d'origine volcanique qui mesure 6 km par 8 km. Et en fait, ce cratère, c'est une caldeira qui s'est formée lors d'une éruption explosive suite à l'effondrement du volcan sur lui-même. Le volcan d'origine n'existe donc plus. Il n'en reste que cette immense caldeira. Comment une telle métamorphose se produit-elle? À plusieurs kilomètres sous le volcan, le magma s'accumule dans le réservoir magmatique. Les gaz dissous dans le magma mettent tout l'édifice en surpression. Le volcan entre alors en éruption. Gaz et magma sont libérés sous la forme d'une immense colonne montante, vidant partiellement le réservoir magmatique et fragilisant les parois du volcan. Celui-ci s'effondre sur lui-même. Des millions de tonnes de roches chutent alors dans le réservoir magmatique, laissant place à un immense cratère à ciel ouvert, la caldeira. Jean-Christophe est descendu dans la caldeira prendre le pouls du site. Il a rejoint l'équipe du volcanologue indonésien Devi Kamil Siabana, responsable de l'observation de tous les volcans situés dans la partie est de l'Indonésie. Devi et son équipe surveillent de près le complexe du Rinjani, son immense caldeira, et ses deux autres cratères, l'un éteint, culminant à 3726 mètres, et le Barujari, un jeune volcan très actif, s'érigeant au cœur même de la caldeira. Pour Jean-Christophe, cela ne fait aucun doute que la caldeira du Rinjani est le vestige d'une gigantesque éruption pouvant correspondre à celle recherchée. S'agit-il pour autant de l'éruption de 1257? Pour le savoir, les scientifiques décident d'aller explorer ce qui pourrait leur donner une idée du volume de l'éruption, les dépôts de pierres ponces.
Tiens. La nouvelle. Ce sont des pierres ponces. Et en fait, ce sont des fragments de magma consolidés qui proviennent de l'immense éruption explosive qui a formé cette caldeira. Et on les retrouve aussi dans des coulées pyroclastiques qui ont nappé en fait tout le paysage ici sur des dizaines de mètres d'épaisseur et sur des centaines, voire des milliers de kilomètres carrés. Les coulées pyroclastiques sont un phénomène volcanique extrêmement destructeur, caractéristique des éruptions explosives. Ces avalanches de gaz et de matériaux volcaniques incandescents, dont les ponces, ont dévalé les flancs du volcan sur des dizaines de kilomètres de distance. Ces dépôts de pierres ponces sont donc les vestiges des coulées pyroclastiques. Leur observation va révéler un précieux indice sur la datation d'éruption. Le fait que ces matériaux soient très peu consolidés, alors qu'on est en milieu tropical humide, montre que l'éruption est assez récente. Elle ne peut pas avoir plusieurs milliers d'années. Et vu l'ampleur des dépôts tout autour de l'île, ça montre bien qu'on a un candidat quand même sérieux pour l'éruption mystérieuse de 1257. La découverte de troncs d'arbres calcinés dans les coulées pyroclastiques va confirmer cette première impression. Leur datation au carbone 14 indique une fourchette de temps comprise entre 1163 et 1264. Des dépôts de pierres ponces, vestiges d'une gigantesque éruption explosive. La datation au carbone 14, autour du 13e siècle, une caldeira immense et toujours active. La piste de l'île de Lombok s'avère réellement prometteuse. Jean-Christophe et Franck décident de pousser plus loin leur investigation en compagnie de leur collègue volcanologue indonésien Indio Pratomo. Au nord de l'île, à 30 km du volcan, une falaise de ponces haute de 35 mètres attire leur attention. Ils veulent savoir si le volume global des coulées pyroclastiques pourrait correspondre aux 40 km cubes de matériaux estimés. Ça, c'est un lithique, le gros, comme oui, ça. C'est un gros lithique. Il y a beaucoup de lithiques dans ce dépôt. Les lithiques sont des morceaux des parois du volcan. Leur concentration dans ce dépôt révèle un indice. Cette coulée s'est produite vers la fin d'éruption, quand le volcan s'effondrait pour former la caldeira. Jusqu'au bout, l'éruption a généré d'énormes coulées pyroclastiques. Mais pour estimer leur volume global, un obstacle demeure. La coulée sur laquelle on se trouve se prolongeait sur peut-être 1 ou 2 kilomètres en mer, puisqu'à l'heure actuelle, il y a encore 35 mètres de falaise. Et d'après les témoignages locaux, il y a encore quelques décennies, la falaise était à 500 mètres plus en mer. Une partie des coulées pyroclastiques a donc disparu en mer. La carte de leur étendue sur l'île confirme bien l'ampleur de l'éruption. Mais comment calculer le volume global de toutes les coulées pyroclastiques? C'est en France, au département des sciences de la Terre de l'Université Paris-Sud, que le géomorphologue Pierre Laïte a reconstitué la forme en 3D du volcan avant qu'il ne s'effondre sur lui-même. À partir de la topographie disponible grâce à des données satellites, on a recherché quels étaient les secteurs du volcan actuel qui étaient en fait des morceaux préservés de l'ancien volcan. Les points violets correspondent à l'élément de surface du Rinjani, et puis tous les points noirs appartenaient à un volcan sans doute bien plus grand, peut-être plus haut, qui est aujourd'hui le lieu de la caldeira. La modélisation mathématique a mis en évidence l'existence non pas de un, mais de deux volcans. Le Rinjani, qui est toujours présent, mais qui culminait à l'époque à 4100 mètres. Et à côté de lui, un autre volcan bien plus vaste, plus haut, culminant à 4200 mètres, et qui est aujourd'hui le lieu où se trouve l'énorme caldeira. Pierre Laïte a calculé que ce grand volcan a perdu une hauteur de 2800 mètres et a éjecté lors de son éruption un volume de 40 km cubes de matériaux. Une quantité stupéfiante permettant de classer cette éruption parmi les plus violentes, de magnitude 7, équivalente à 100 fois la puissance de celle de Pompéi. Le portrait robot valide que le volume de l'éruption survenue à Lombok correspond à celui de l'éruption mystérieuse. Mais ce nouvel indice a révélé un autre problème.
un volcan non répertorié sur les cartes géologiques, sur lequel il faut désormais en savoir plus. Grâce à ses contacts indonésiens, Franck Lavigne apprend qu'au musée de la capitale Mataram sont conservés de précieux ouvrages, les Babades. Parmi les 1300 babades préservées au musée, l'une d'elles se révèle particulièrement intrigante. C'est le manuscrit de la Baba de Lombok. Il raconte l'histoire de Lombok depuis la préhistoire. L'un des récits évoque l'éruption du mont Rinjani. Le mont Rinjani glissa et le mont Samala s'effondra. Des coulées de pierre et le tonnerre détruisirent Pamatan. Les maisons détruites furent emportées par des torrents de boue. La plupart des habitants périrent noyés. Certains se réfugièrent dans les montagnes. Puis tout disparut, emporté par la vague. Ce qui est remarquable avec cette Baba de Lombok, c'est qu'on a découvert à travers ce récit qu'on a un volcan inconnu jusque-là qui s'est effondré, le mont Samalas. Alors que jusque-là, on appelait le volcan le Rinjani et on considérait qu'il n'y avait qu'un seul volcan. Grâce à la babade, les scientifiques peuvent mettre un nom sur le coupable idéal, le Samalas. Après la pause, le Samalas livre enfin ses secrets. Il reste cependant aux scientifiques à démontrer que l'éruption du Samalas a pu engendrer l'énorme pic de sulfate de 1259. Pour cela, ils doivent prouver que l'éruption a atteint la stratosphère pour que s'y soit formé un gigantesque voile d'aérosol planétaire. Les volcanologues se rendent sur l'île de Sumbawa. Les matériaux projetés au loin par le Samalas les intéressent. Des belles ponces à cette distance, à 56 km de distance du volcan. Elles ont voyagé contre le vent. Oui, hein? En plus. Et elles sont encore de grosse taille. L'inventaire des ponces et des lithiques trouvées loin du volcan permet de dresser la carte de l'étendue et de l'épaisseur des retombées de l'éruption. La surface est gigantesque. Les retombées ont recouvert des milliers de kilomètres carrés autour du volcan, jusqu'à une distance de plus de 600 km à l'ouest de Java, où, sur les flancs du Merapi, a été identifié un dépôt de 2 cm de ponce provenant du Samalas. Mais ce qui va permettre de déterminer si la colonne éruptive a atteint ou non la stratosphère, c'est la taille des fragments récoltés sur le terrain. La taille de ces particules nous permet de déduire la hauteur atteinte par cette colonne, parce qu'on sait que pour les fragments d'une même taille ou d'une même densité, plus ils sont éjectés loin du volcan et transportés loin du volcan, plus le panache qui les a transportés a atteint une altitude élevée. Le panache du Samalas a-t-il atteint la stratosphère? À partir de la localisation des fragments trouvés sur le terrain, le calcul de hauteur du panache révèle un chiffre stupéfiant, 43 km. C'est la plus haute altitude de panache jamais mesurée. L'éruption du Samalas a donc été largement stratosphérique. Mais a-t-elle pour autant injecté une quantité de dioxyde de soufre conséquente pour engendrer l'énorme pic de sulfate de 1259? Le problème, c'est que tous les gaz se sont volatilisés durant l'éruption. Comment alors quantifier ce qui n'existe plus? C'est à l'Institut de physique du globe de Paris que les chercheurs ont trouvé la réponse, dans les minuscules cristaux incrustés au cœur même des pierres ponces. Une fois coupés en fines lamelles, ces cristaux ont révélé leur trésor, les inclusions vitreuses. Ce sont des gouttelettes de magma piégées dans les cristaux qui, malgré l'éruption, ont conservé tout leur gaz. En croisant les 40 km cubes de magma projetés par l'éruption avec la concentration en soufre présent dans les cristaux, les scientifiques en ont déduit le volume total de dioxyde de soufre émis par le Samalas. On a calculé pour la première fois que cette éruption a produit 158 millions de tonnes de dioxyde de soufre, ce qui est une quantité phénoménale.
158 millions de tonnes de dioxyde de soufre, c'est près de deux fois le volume émis par l'éruption du Tambora en 1815, qui était jusqu'alors considérée comme la plus grosse éruption des derniers millénaires. Ce volume correspond à l'intensité du pic de sulfate de 1259. Tous les indices confirment que le Samalas est l'auteur de la mystérieuse éruption. Et pourtant, un ultime obstacle pourrait encore tout faire basculer. Au laboratoire de glaciologie de Grenoble, les microparticules de cendres provenant du pôle sud sont minutieusement préparées pour être comparées avec celles du Samalas. L'opération est délicate. Il faut isoler les micro-cendres, les aérosols, du pic de sulfate de 1259 et de tous les grains de poussière présents à l'époque dans l'atmosphère. C'est à l'Institut de physique du globe de Paris que s'effectue l'étape finale. Réunis côte à côte dans le microscope électronique, ces deux échantillons, trouvés à des milliers de kilomètres de distance, vont révéler s'ils ont la même origine. Sur l'écran de droite, la cendre du pôle sud. Et sur l'écran de gauche, la cendre du Samalas. Sur ces écrans, on observe des particules de taille identique, de 3 à 4 microns environ. Et on observe également que les surfaces sont très homogènes sur les deux particules de cendre et que les bords sont très saillants. Et cette première observation, elle nous permet de dire que les morphologies de ces deux cendres sont très similaires. Les formes étant analogues, il reste à faire la dernière comparaison, les empreintes géochimiques. Sur ce diagramme, on voit les pics d'intensité de chaque élément chimique qui est présent dans la cendre du pôle sud. Le diagramme de la composition chimique de la cendre du Samalas apparaît en bleu. Les deux diagrammes sont identiques. Ces deux cendres, elles ont non seulement des formes similaires, mais en plus, elles ont des compositions chimiques qui sont comparables à plus de 99%, et c'est vraiment excellent. Et ça permet de conclure qu'elles ont la même origine. Pour les scientifiques, tous les faisceaux d'indices convergent. Le Samalas est bien l'auteur de la gigantesque éruption de 1257. Sur le terrain, Jean-Christophe Komorowski a même découvert une paroi où figure tout le déroulement d'éruption. D'ici jusqu'en haut de cette falaise, on peut voir le résumé de toute l'éruption qui aura duré 36 heures. Cette couche brune là, c'est le sol au moment même où l'éruption s'est produite en 1257, sur lequel les gens vivaient, cultivaient et marchaient. En 1257, sous la pression des gaz accumulés dans le réservoir magmatique, le Samalas explose. La première phase de l'éruption correspond à une pluie intense de pierres ponces durant 6 à 7 heures, qui retombe d'un panache très haut, similaire à celui de l'éruption de Pompéi, mais d'une ampleur bien, bien plus importante. Ça, ici, c'est la deuxième phase formée par une immense coulée pyroclastique, une avalanche de fragments et de gaz incandescents, très turbulents, dévalant sur les flancs du volcan à probablement 200 ou 300 km/h, jusqu'à cet endroit ici, situé à 25 km du volcan. Et là, nous avons la troisième phase de l'éruption. À nouveau, durant 6 à 8 heures, un panache laisse retomber une pluie continue de fragments de pierres ponces. Et puis, nous avons la quatrième phase, le moment paroxysmal de l'éruption. Le flux de matériaux volcaniques expulsés du volcan est si intense que la colonne éruptive n'est plus soutenue, elle s'effondre. Puis tout le volcan s'effondre à son tour, et l'éruption continue pendant plusieurs heures de générer d'énormes coulées pyroclastiques qui dévastent tous les environs. Il n'aura donc fallu que quelques heures à ce prodigieux volcan pour bouleverser le destin du monde. L'obstination des scientifiques aura permis de résoudre l'un des plus grands mystères à l'échelle planétaire. Le Samalas est entré dans la légende. Il a fallu du temps pour résoudre ce mystère, ce qui n'est pas étonnant. Je suis même surpris qu'on ait réussi à trouver le volcan. Il y en a tellement à travers le monde. Certains ont même leur caldeira enfouie sous la mer et ont peut-être causé de grands événements dans le passé. Je pense qu'on a vraiment eu de la chance de découvrir que le Samalas est l'auteur de cet événement monumental survenu à la moitié du XIIIe siècle.
les indices amassés sur l'éruption du Samalas pourraient éclairer l'avenir. Si une éruption explosive de très grande ampleur, du type de celle de 1257, avait lieu demain, elle aurait certainement des conséquences à la fois locales, régionales et globales dévastatrices, notamment du fait que les sociétés modernes sont beaucoup plus interconnectées qu'au Moyen-Âge et que la population du monde a explosé depuis le Moyen-Âge. Cela pourrait dérégler le système mondial de distribution alimentaire, avec son lot de gagnants et de perdants. Les pays dépendants de l'importation céréalière seraient sévèrement touchés. L'aviation mondiale serait aussi fortement perturbée, ce qui n'existait pas, bien sûr, au XIIIe siècle. Le transport maritime serait également désordonné. Les répercussions régionales seraient énormes si un événement d'une telle taille se produisait, jusqu'au marché boursier qui serait fortement secoué, ce qui déclencherait une nouvelle crise économique mondiale. Au terme d'une enquête mondiale, débutée il y a plus de 30 ans, le Samalas a enfin livré ses secrets. Sa découverte nous offre une opportunité exceptionnelle, celle de mieux comprendre les impacts des grandes éruptions sur tout l'écosystème planétaire. Serons-nous capables demain d'y faire face? Car une éruption de l'ampleur du Samalas peut se produire plus tôt qu'on l'imagine. Après la pause, le sauvetage des 12 jeunes et de leur entraîneur de soccer coincés dans une grotte en Thaïlande. La semaine prochaine, le sauvetage des 12 jeunes et de leur entraîneur de soccer coincés dans une grotte en Thaïlande. On a établi un quartier général improvisé devant la grotte. Et sur la montagne, des centaines de volontaires cherchent un autre moyen d'entrer dans la grotte, dans l'espoir d'atteindre les garçons par une autre ouverture. C'est une grotte de calcaire, pleine de fissures et de trous. On parcourait la zone dans l'espoir de trouver des ouvertures pour descendre dans la grotte. Mais trouver une autre entrée, et surtout un point d'accès aux garçons, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, sans la moindre garantie. Sauvetage spectaculaire dans une grotte de Thaïlande, dimanche prochain, à Découverte. Pour suivre l'actualité scientifique à Radio-Canada, d'autres rendez-vous. Le dimanche, à la radio, les années-lumière. Sur le web, la zone science et les pages Facebook de Radio-Canada Science et de Découverte. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Expliquer, vérifier, personnaliser. C'est ça, l'info tout compris de Radio-Canada.